Bonsoir à tous les potos, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur Kyronos aujourd'hui, car les 3 prochains jours s'annoncent orageux sur la France, très orageux sur la France. Donc dimanche déjà, eh bien, on peut commencer par voir qu'un risque modéré d'orage touche la Corse, mais aussi l'extrême nord-est. Le sud et une partie du nord-est seulement aura un risque faible d'orage. Donc voilà, pas de probabilité d'orage fort en ce qui le concerne. Dimanche, des averses parfois orageuses se formeront de nouveau en cours d'après-midi sur la moitié sud du pays. Quelques coups de tonnerre seront également possibles près des frontières du nord. Donc, ce seront plutôt des orages localisés hein, sur eh bien, cette journée de demain. Pareil dans le sud, et aussi dans le nord, et sur la Corse aussi, bref. Voilà. Pour lundi ensuite, pour lundi, nouveau risque orageux, faible, mais qui reste tout de même présent, sur une grande partie du territoire, qui touche, ouais, qui touche les deux tiers du pays. Donc voilà, pas de probabilité d'orage fort en tout cas. Donc lundi, un temps instable se maintiendra sur la plupart des régions avec des averses surtout fréquentes l'après-midi. Elles prendront localement un caractère orageux. Donc là aussi, des orages qui seront localisés. Donc on ne peut pas savoir où ça va péter. Mais en tout cas, ça va péter apparemment pour lundi et dimanche. Mardi, nouveau risque orageux sur l'ensemble du pays. Avec donc un risque modéré qui commencera à s'étendre de la Nouvelle-Aquitaine en remontant jusque sur les frontières du Nord. Et ensuite, eh bien, un risque faible concernera plus précisément la Bretagne, les Pays de la Loire, dont la Vendée, le Centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine. Il y a aussi l'Occitanie, la région PACA, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes également, ainsi que l'île de France et les Hauts-de-France. Voilà. Concernant la probabilité d'orage fort, il n'y en aura pas. Voilà. Peu d'évolution en vue pour la journée de mardi. Les averses nombreuses en cours d'après-midi évolueront ponctuellement jusqu'à l'orage, notamment sur le sud et l'est du pays. Donc ce sera encore des orages localisés ici aussi. Donc voilà. Donc c'est pas très intéressant, mais voilà. Alors pourquoi je dis que c'est pas très intéressant? Parce que les orages seront locaux, c'est-à-dire on ne peut pas prévoir où ça va éclater. Donc voilà. Après, si on a des orages, si on a des orages, pourquoi pas? Mais ça m'étonnerait à mon avis que j'en ai. J'y crois pas du tout. Parce qu'ils sont de un très local et surtout difficile de prévoir où ça va éclater. Donc dans les deux cas c'est pareil. Voilà. Bon. Ah oui, et je voulais revenir sur ça aussi. Il y a une possible tornade près de Béziers aujourd'hui vers 5h30. Voilà. Voilà. Bref. Voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo les potos, et puis sur ce, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, sur ce, je vous laisse, et à demain.